Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Apollo Justice Trilogy. J'espère que vous allez bien. Nous allons dans cet épisode continuer à attaquer Alita T'Challa pour démêler le vrai du faux de ses déclarations. Et évidemment, je passe le premier. Alors, ce jour-là, je me suis rendu à la clinique pour la première fois en 6 mois. Un instant. À quelle heure êtes-vous arrivé à la clinique ? Je me souviens pas précisément, mais c'était après 21h30, je crois. Et c'était la première fois en 6 mois que vous contactiez le docteur Meraxis. Absolument. Ce n'était pas le genre de patron avec lequel on se lie d'amitié. Alors ça pourrait être un élément de contradiction. Alors pourquoi êtes-vous allé à la clinique ce jour-là ? Je voulais le prévenir. Après tout, je savais que Willy avait un pistolet. Un instant. Est-ce que vous vouliez que le docteur Meraxis prenne la fuite ? Après avoir tenté d'arrêter Willy, je pensais que c'était le seul moyen d'éviter les problèmes. Et tu pouvais pas appeler la police par hasard. Mais vous avez pu lui passer un coup de fil. Pourquoi vous êtes déplacé en personne ? J'ai essayé de lui téléphoner plusieurs fois ce soir-là, mais je n'ai eu personne. La victime était en route vers chez elle après 21h ce soir-là. Nous l'avons prouvé hier grâce au rétroviseur. Oui, on parle de ce soir-là, ok. Forcément. Oui, il a percuté Phoenix Wright, c'est peut-être là que ça va avoir un impact. Je me suis dit que si je le prévenais, il prendrait ses jambes à son cou. Le connaissant, parce que c'est elle qui a dû prendre la voiture du coup, je réalise, le docteur était quelqu'un de peureux, bien trop peureux pour admettre son erreur. Vous voulez parler de l'opération de Willy? Si seulement il lui avait tout dit à l'époque, tout cela aurait pu être évité. C'est vrai, cette opération est la cause de cette malheureuse affaire. Ah, d'un autre côté, s'il avait avoué toute la vérité, les Kitaki l'auraient peut-être fait disparaître bien plus tôt. Tout cela me met bien mal à l'aise. Nous savons que la clinique Meraxis était liée à la famille Kitaki. Il n'aurait sans doute pas pu en parler à la police, même s'il avait voulu le faire. C'est pour ça que je voulais le prévenir. Je n'avais aucune autre intention, aucune raison d'y aller, pardon. Je n'ai rien à cacher, vous savez. Rien à cacher, hein. Ouais. Vous pouvez m'observer sous toutes les coutures, vous ne trouverez rien. Elle cache quelque chose, je le sens. Je dois bien en avoir la preuve quelque part. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez, Monsieur Justice. Mais si je suis allé dans cette clinique, c'est pour une simple et unique raison. Elle a un visage confiant et arrogant, hein. Je voulais juste lui dire de faire attention par solidarité. Prévenir le docteur, c'était trahir Willy, non ? Non, je l'ai fait pour lui, pour nous. Elle est allée le prévenir pour que son fiancé ne puisse pas commettre le crime. Je ne voulais pas qu'on me prenne mon Willy. Elle ne me fera pas avaler qu'elle est allée là-bas juste pour le prévenir. Tu connais la vraie raison, Apollo. Il est temps de découvrir ce qui s'est vraiment passé dans cette clinique. Et vite. Alors, on va aller faire un tour dans le dossier de l'affaire. Ce jour-là, donc au moment du crime, donc, je me suis rendu à la clinique pour la première fois en 6 mois. Je me rappelle plus quand est-ce que sa culotte a été volée. Et donc quand est-ce que le téléphone a pu... La voiture y était déjà, forcément. Donc il y avait déjà eu le rétroviseur pété. Donc le crime avait déjà eu lieu. Heure du décès, 14 juin, après 22h. Après 22h. Donc il est bien mort sur place, du coup. Aussi appelé sur un, trouver des certaines du crime, porter les empreintes de Willy. Résultat d'un bilan pratiqué en juin, fragment de métal trouvé près du cœur. 14 juin. Ok. Arme laissée, portée par Meraxis, cadeau de Willy. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle a pris les pantoufles et elle a laissé ses chaussures. On n'a toujours pas cette question-là. Trouvé dans le bureau de la clinique Meraxis, ampoule cassée, tache rouge sur fil. Il y a du sang, mais je ne peux... C'est du rouge à lèvres, j'ai l'impression. Non. Non, ça fait sang. Mais ça fait un peu... Vous voyez, ça fait un peu... Ça fait un peu bouche, là, mais bon. Trouvé dans le coffre Meraxis, ça date de quand, ça? Balle logée près du cœur. On n'a pas de date.
On va peut-être prendre ça quand même. Ouah, c'est tout écrasé. Rune Mancorias, le coffre-fort. Tu sais, ça a l'air appétissant. Ouais, on dirait un cupcake. Non. On dirait de la glace. De la glace au caramel. Ouais, glace au caramel, j'accepte aussi. Tu as vraiment une imagination débordante, vérité. Moi, je disais un petit peu le pot, et là, t'as de la... Ça fait cupcake. Ok. En tout cas, on a une balle qui pourrait correspondre à ça. On peut tester. Ouah, ne pointe pas ce truc sur moi. T'inquiète pas, je sais me servir d'arme à feu. Enfin, surtout les armes à feu magiques. Celles dont on fait sortir des pigeons. C'est fou ce que ça me rassure. Effectivement. Non, moi, je voulais savoir juste si c'était la... Au moins le même diamètre, mais... Pas peur de savoir. Bon, ça a l'air d'être ça. Première fois en 6 mois, je voulais le prévenir. Après tout, je savais que oui, il avait un pistolet. Oui, le docteur était quelqu'un de peureux, bien trop peureux pour admettre son erreur. Il n'avait aucune autre raison d'y aller, je n'ai rien à cacher, vous savez. Si, on va sauvegarder quand même. Parce qu'effectivement, j'ai un truc qui me vient en tête. Tu as quelque chose à cacher, comme notamment le fait que tu aies participé... Ah mais non, elle le savait. Non, que la balle était logée près du cœur. Ça, tu avais ça à cacher, toi. Objection. Il ne le savait pas, ça, Willy. On a trouvé ce rapport médical dans le coffre-fort du bureau du docteur Meractis. Oui. Pourquoi ce rapport se trouvait-il dans le coffre-fort? Mademoiselle Tiala, je crois que vous connaissez la réponse à cette question. Goutte, goutte, goutte. Quelqu'un aurait-il la bonté de m'expliquer? Docteur Meractis ne pouvait pas se permettre de commettre des erreurs. C'est pour ça qu'il a écrit un faux rapport et qu'il a placé le vrai en lieu sûr. Oh, le vilain docteur. Et c'est là que vous intervenez, mademoiselle Tiala. L'infirmière qui a rempli le rapport, c'était vous. Ce qui signifie que vous saviez que l'opération de Wii avait échoué. Intéressant. Mais vous n'étiez pas en meilleure posture que le docteur Meractis. Difficile de prétendre que la victime et vous n'avez aucun lien, n'est-ce pas? Pour un débutant, vous ne manquez pas d'aplomb. Point d'exclamation. Monsieur Justice, vous savez très bien que je n'étais qu'une infirmière. Le docteur est entièrement responsable du contenu du rapport médical. Oui, mais t'es au courant quand même. Cette précision a son importance, je vous l'accorde. Vous l'ajouterez à votre témoignage, je vous prie. Dommage, mon petit avocat. Ah. Va falloir qu'on sorte notre bracelet, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon bracelet s'active de nouveau. Mais qu'est-ce qu'il y a, Apollo? Mon bracelet a réagi, juste à l'instant. Ton bracelet? Tout comme hier, exactement comme tu l'as dit. Quand un témoin n'est pas sûr de quelque chose, il développe un tic nerveux qui le trahit. Mais je ne vois rien, moi, Apollo, hein? Mais alors, qu'est-ce que mon bracelet essaie de me dire? Attends, je crois savoir. Oui, ça ne peut être que ça. Ça ne peut être que ça. Ton sixième sens, Apollo, il doit être plus développé que le mien. Hein? Je ne vois rien, mais toi, tu ressens. J'en suis pas si sûr, vérité. Écoute-moi, Apollo. Il doit y avoir une faille dans le témoignage de Mademoiselle Tiala. Mais nous ne savons pas quel est son tic nerveux. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est à toi de le percevoir, Apollo. Avec tes yeux et avec tous tes sens. Avec... Alors tout repose sur moi et mon bracelet. J'ignore pourquoi, mais ce bracelet est d'un grand soutien. Est-ce qu'il n'aurait pas un lien avec... avec Maya? C'est comme si le toucher m'aidait à me concentrer. Essayons et voyons si je peux démolir ce témoignage. Pourquoi serais-je retourné maintenant à la clinique pour un rapport vieux de 6 mois? Ben justement, pour le cacher. Percevoir, on va faire. Ça a l'air d'être par ici. Pourquoi serais-je retourné maintenant à la clinique pour un rapport vieux de 6 mois? Alors attendez. Ta-da. On va réécouter. Pourquoi serais-je retourné? Est-ce qu'elle cligne des yeux? Non, elle se tripote pas l'oreille. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Quelque chose avec ses doigts peut-être? On va réécouter, parce que c'est forcément ici, hein. On va regarder ses mains, elle doit faire quelque chose avec ses mains.
Ah, ça bouge là. Pourquoi retourner maintenant à la clinique? Je te tiens. Non, c'est pas ça. Je sais pas, elle bouge, elle fait bouger sa bague. Pourquoi elle est à la clinique maintenant? Pour un rapport médical vieux de 6 mois. Vous savez très bien pourquoi vous y êtes allé maintenant, pas vrai? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. C'est pourtant simple, mademoiselle Tiala. Vous souffrez d'un tic nerveux. Évidemment. Chaque fois que vous prononcez le mot maintenant, vous touchez votre bague avec votre pouce. Que quoi? Elle a hésité. Je l'ai bien vu. Maintenant. C'est ça notre mot-clé. Ce rapport ne faisait pas partie de votre passé. Il représentait une menace on ne peut plus présente. Mais c'est ridicule. Si c'était le cas, j'aurais eu 6 mois pour agir. En effet. Hein? J'en déduis donc qu'il a dû se produire quelque chose récemment. Un événement qui a fait que ce rapport est devenu un problème pour vous. Maintenant. Le fait que Willy Kitaki était au courant. Point d'exclamation. Elle est sur le point de craquer, je le sens. C'est le moment de lui asséner le coup de grâce. De dégainer mes preuves. Mademoiselle Tiala, c'est inutile d'essayer de le nier. Ce rapport était devenu une menace pour vous à cause de ceci. Bah, le rapport médical de actuel, tout simplement. Bilan de santé de Willy. Prends ça. Ceci est un bilan de santé appartenant à l'accusé. J'ai même pas sauvegardé, j'étais certain de moi. J'aurais peut-être lu. Les Kitaki essaient de se recycler, de changer de secteur d'activité. Ils ont fait un bilan de santé ce mois-ci pour la première fois. Comment avez-vous réagi en apprenant la nouvelle? Hein? Oh, je n'ai pensé à rien, pourquoi aurais-je dû? Oh, moi je crois que ça vous a complètement retourné. Parce que vous aviez peur. Vous saviez que les radios de Willy allaient révéler. Gloops. 6 mois s'étant écoulés depuis l'opération, vous vous croyez tiré d'affaire. Quand le rapport est revenu, vous hantez. Hii, j'en perds mes plumes. Eh oui. Ça se tient. Ce sera tout, votre honneur. Bien joué, Apollo. Petite sauvegarde. Mais que dois-je en conclure? Le témoin vient d'avouer son mensonge. Point d'exclamation. Je l'ai senti. Une puissante aura enveloppé Monsieur Grandfront. Ah ah! Très intéressant. Donc, la demoiselle mentait. C'est exact. Elle a prétendu n'avoir aucun lien avec la clinique Meractis, alors qu'en fait, il existait un lien très fort, un peu trop fort même. Si les Kitaki avaient pris connaissance du rapport où apparaît son nom, nous en étions finis d'elle. N'est-ce pas, mademoiselle Tiala? Vous avez deviné. On en a dit lui là, c'est pas une devinette. Silence, silence. J'ai réussi, j'ai démoli son témoignage. Incroyable, Apollo. Moi, je n'avais rien vu du tout. Papa avait raison à ton sujet. Attendez. Il va y avoir évidemment un petit retournette de situation. Mademoiselle Tiala, vous avez raison, ce rapport médical représentait un danger pour moi. C'est pour cette raison que je suis allé voir le docteur ce jour-là. Mais c'est tout. Je l'ai prévenu au sujet de Willy et je suis rentré chez moi. Un mensonge peut en cacher un autre. Ce contre-interrogatoire est loin d'être terminé. Que quoi? Elle nous a caché la vérité, soit. Mais sa crédibilité est du coup toute morte. Poubelle, le témoin. Rien ne prouve que cette vérité a un rapport avec l'affaire qui nous intéresse. Après, certes. Soit. Le témoin l'ajoutera à sa déclaration. Quant à nous, nous poursuivons ce contre-interrogatoire. Grrr, j'étais si près du but. Tu brûles, Apollo. Continue, n'arrête pas. Tant que c'est pas les ailes, ça va. La musique change, on est sur du plus rapide. Il ne s'est rien passé, je l'ai prévenu et je suis parti. Alors, excuse-moi ma cocotte, mais il y a eu un coup de feu quand même. Hein. Il ne s'est rien passé. On va faire une petite sauvegarde, une fois de plus, parce que j'aime bien être assuré avant de lancer quoi que ce soit. On va faire une attaque. Un instant. Comment est-ce que le docteur Meractis a accueilli votre mise en garde? Oh, il a eu l'air surpris, paniqué même. Mais qui ne paniquerait pas en apprenant que les Kitaki veulent votre tête? Je tiens à préciser que cette cour n'a pas peur de la mafia. La situation grave dont nous avons été témoins hier l'a suffisamment prouvé. L'attaque de l'incroyable Monsieur Chapeau. C'est vrai, j'ai dû porter Monsieur le Juge jusqu'à son bureau. On dirait que le juge a une sacrée trouille. Il ne s'est rien passé dans le bureau de Meractis ce jour-là, mais ça n'explique pas le désordre qu'on y a trouvé. Il s'est forcément passé quelque chose dans ce bureau, Apollo. Je sais, mais on ne peut pas prouver quand ça s'est produit, ni qu'Alita Tiala était impliquée dans l'affaire. Essayons quand même de présenter des preuves. Elle ne me fera pas avaler qu'elle est allée là-bas juste pour le prévenir. Tu connais la vraie raison, Apollo. Bon, ok, on va essayer de mettre la balle. Je pense que la balle, ça me paraît être bien. Il y a la lampe ou la balle. Mais la balle, étant donné qu'elle était dans le coffre, ça prouve que... Enfin, ça prouve... Qu'est-ce que ça peut prouver?
parce que si le coffre avait été ouvert, elle aurait pris le machin. Mais c'est probablement la deuxième balle du même pistolet, du dit pistolet. Je sais pas trop. Ta-da-da-da. Après, il y a aussi ça. Il y a le fil rouge sur la lampe. Après, la lampe est cassée, donc il ne s'est rien passé. C'est un peu compliqué. Je peux faire la lampe peut-être plus. Objection. Non, c'est pas ça. Votre honneur, cette déclaration contredit les preuves. Ce n'était pas ça. C'est plus la balle, je pense. Objection. Objection, fin de la musique, on est bon. Vous affirmez qu'il ne s'est rien passé dans le bureau du docteur. Je ne suis pas d'accord. Jetez donc un œil là-dessus. Mais qu'est-ce que c'est? On dirait un petit tas de boue. Un peu comme vous, en fait. Cette balle a été trouvée dans le bureau de la clinique Meractis. Il s'est donc bien passé quelque chose dans ce bureau, mademoiselle Tiala. Objection. Assez perdu de temps, voyons. La police a passé la clinique au crible. Objection. Cette balle était coincée à l'intérieur du coffre-fort du docteur. À l'intérieur du coffre-fort? Je suppose que la police n'a pas cherché aussi loin. Objection. Quoi qu'il en soit, c'est la première fois qu'on le voit suer à grosses gouttes, le petit Conrad. Comment pouvez-vous affirmer que cette balle a été tirée ce jour-là? Objection. N'est-ce pas vous qui nous avez expliqué ce qu'étaient les rayures de balles? Point d'exclamation. Le pistolet n'a pas quitté le domaine Kitaki avant ce jour-là. Si les rayures de la balle correspondent à l'arme du crime, ça prouve qu'on a bien tiré un coup de feu dans le bureau, le jour du meurtre. Pas mal, monsieur Grandfront. On a intérêt que les rayures correspondent par contre. Officier, apportez cette balle au labo immédiatement. Sachant qu'il y a eu deux balles qui ont été tirées du pistolet, ça fonctionne. Hein. 30 minutes plus tard, le résultat du test arrive. Les rayures sont identiques sur les deux balles. Ah. Dans les dents, mademoiselle Tiala. Alors, la balle trouvée dans le coffre-fort provient de l'arme du crime. La défense souhaite sans doute préciser sa position. Le problème, c'est que ça ne fait que... Ça ne fait qu'approuver le pistolet encore... Ça reste l'arme de Kitaki pour le moment. Enfin, de Willy. La balle retrouvée dans le coffre prouve une chose. Qu'on a fait feu avec ce pistolet dans ce bureau le soir du meurtre. Et qu'au moment du coup de feu, le coffre était ouvert. Ce même coffre-fort qui contenait le rapport top secret. Vous pensez que quelqu'un menaçait le docteur Meractis pour lui faire ouvrir le coffre-fort? Une seule personne était en mesure de le faire. Notre témoin, mademoiselle Tiala. Ou l'accusé, monsieur Willy, hein. Silence, silence, silence. Monsieur Justice, où voulez-vous en venir? Accusez-vous le témoin? Alita Tiala était au courant de l'opération ratée de Willy Kitaki, mais elle s'est fiancée avec lui sans lui avouer la vérité. Tant que la balle restait dans sa poitrine, ses jours étaient comptés. Il lui fallait l'épouser avant que la balle n'atteigne enfin sa destination. Que quoi? Au fait, les Kitaki se sont, paraît-il, recyclés dans des affaires au-dessus de tout soupçon, et très lucratives. On parle déjà d'une fortune colossale. Comment? Elle aurait eu l'intention de l'épouser pour en devenir l'héritière? Objection. Arrête de souiller ma petite Alita, ou je te traîne en justice, compris la voc. Qui ça, moi? Ouais, tu as abusé ma Alita. Accusé, vous voulez dire. Ça revient au même. Tu ne l'auras pas, elle est à moi. C'est moi qui l'ai flingué. Moi, vous m'entendez? Il m'a laissé pour mort, alors j'ai fait pareil dans le parc. Œil pour œil. Oui, Willy, calmez-vous enfin. Touche pas à Alita, je te préviens. Yes. Si. Mademoiselle Tiala, je suis désolé, c'est que ça faisait longtemps que je n'avais pas ri comme ça. Je peux savoir ce qui vous fait tant rire? Willy, mais réveille-toi et ouvre les yeux. Ah, Alita, mon bébé? Les signatures sur le rapport médical, les fiançailles. Enfin, allez quoi? C'est clair comme de l'eau de roche. Même pour une cervelle d'oiseau pourri gâtée comme la tienne. Mais par contre, elle est très conne de faire ça, Alita. Alita, votre franchise est une vraie bouffée d'air. Nauséabond. Je n'allais pas m'en sortir de toute façon. Certes. Alors, vous en avez bien après l'argent de la famille. Eh oui, et c'est bien ça. Je voulais l'argent. Non. Mais c'est naze, je veux pas le croire. J'aurais dû avancer la date du mariage. Tant pis. Après, t'aurais pas forcément hérité de... de ça quand même, hein. Au fait, je peux vous poser une question? À qui? À moi? Vous avez bien dit que vous m'abusiez. Accusé. Et de quel crime, si je peux me permettre? Hein?
Bah non, au moins non assistance en personne en danger quand même. D'accord, je suis une vilaine fille intéressée par son argent. Mais je n'avais pas de pistolet, moi. Il a dû tirer dans le coffre après mon départ. Quoi? Jamais je n'aurais fait un truc pareil. C'est lui, là, le sale gosse. Une petite seconde. Mais de quoi vous parlez? Vérité? C'est vous qui aviez tout à perdre si ce rapport médical faisait surface. Peut-être, mais ce n'est pas moi qui avais le pistolet. Eh bien, vous auriez pu prendre celui de Willy. Vous ne pensez pas qu'il en aurait déjà parlé? Moi, je n'ai entendu que c'était moi qui l'ai tué. Objection. Objection, juste parce qu'il essaie de vous protéger. Pardonnez-moi d'interrompre votre touchant tête-à-tête. Mais vous oubliez un point essentiel. Quoi? Quel point? C'est vrai, la Miss voulait s'emparer de ce rapport. Vous dites qu'elle aurait même menacé le docteur pour qu'il ouvre le coffre. Mais si c'était le cas, n'aurait-elle pas alors emporté le rapport avec elle? Oh, ma vie, c'est ce qui me dérangeait de dire que c'était la balle. Vous voyez bien. Elle n'aurait pas laissé le rapport dans le coffre fort. Aïe. Il a raison. Mademoiselle Tiala. Oui. Cette cour en conclut que vous n'êtes pas une fiancée très bien intentionnée. Oh, vous me flattez. C'était pas une flatterie. Le fait est que nous, quand on a trouvé le rapport, il y avait quelqu'un avant nous qui fouillait tout. Donc il y a quand même un truc louche. Peut-être daigneriez-vous enfin nous dire la vérité. Parlez-nous de vous, de ce que vous avez fait ce jour-là. N'oubliez pas, nous avons prouvé que vous étiez à la clinique Meractis le jour du meurtre. Déposition du témoin. La clinique Meractis 2. Ce jour-là, je suis allé à la clinique pour parler au docteur. Je voulais ce rapport médical, alors plus tard, je suis retourné à la clinique. Mais je ne l'ai pas tué. Vous n'avez aucune preuve que j'ai pris le pistolet. En plus, le sale homme a été aperçu dans le parc au moment du crime. Peu importe si le docteur Meractis a reçu une balle dans la tempe ou ailleurs. Ouais, mais tu étais aussi sur la scène du crime, puisque nous avons retrouvé... tes claquettes. Vous y êtes retourné plus tard. Ce rapport médical représentait un véritable danger pour moi. Il fallait absolument que je m'en débarrasse. C'est pour ça que j'y suis allé. Mais vous n'avez pas réussi à le récupérer. Et le docteur Meractis s'est fait tuer ce soir-là. Comme j'ai entendu parler du meurtre, j'ai attendu un jour, mais quand je suis revenu, il y avait des policiers partout. Ah, alors c'était vous. Boum. Point d'exclamation. Ah, Apollo, ce bruit, ça vient de derrière cette porte. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Un cambriolage. Ils se sont enfuis par la fenêtre. Mais c'était donc vous. Ah, c'était vous deux? Il m'aurait fallu une ou deux minutes de plus. J'aurais pu ouvrir le coffre et récupérer le rapport médical. Mais c'est une effraction. Et culotté en plus. Oh, c'est un procès pour effraction maintenant. De plus, vous ne pouvez pas reprocher à une femme de se protéger. Ce sont des gangsters, vous savez. Mouais. Monsieur Justice, le témoin est à vous. On admet le petit crime pour éviter de payer le plus gros. Hein? Effectivement. On admet le petit pour éviter de payer le gros. Contre-interrogatoire. Ce jour-là, je suis allé à la clinique pour parler au docteur. Un instant. Pourquoi ce jour-là? Ce sale homme était incontrôlable. Il était prêt à tuer, et cela aurait attiré la police. Le rapport médical serait devenu public, et ma vie aurait été gâchée. Snifou, snifou. Mais la police n'a pas fouillé le coffre, n'est-ce pas? Ils croyaient que le parc était le lieu du crime. Les responsables de cette erreur seront punis. Je m'en porte garant. Ce genre de négligence ne sera pas toléré. Il n'y a pas détective. Il n'est pas là. Un peu de négligence m'a bien arrangé, moi. Je voulais ce rapport médical. Alors, plus tard, je suis retourné à la clinique. Plus tard, quand j'ai appris ce qui s'était passé, je n'ai rien osé faire ce jour-là. J'ai attendu le jour suivant. Le 16, c'est bien ça? Mais il a fallu que vous et cette gamine vous mettiez en travers de mon chemin. Mais pourquoi le docteur Meractis ne s'est-il pas débarrassé de ce rapport? Il s'agissait d'un document compromettant pour lui. Il aurait pu le brûler. Parce que c'était un lâche. Ce rapport était une sorte d'assurance. Une assurance? Enfin, ma signature, surtout. Tant que ce rapport était entre ses mains, il savait que je ne le trahirais pas. Et oui, forcément. Mais je ne l'ai pas tué. Je n'avais aucune preuve que j'ai pris le pistolet. Ah, mais peut-être que du coup... Il voulait leur dire. Le docteur. Mais je ne l'ai pas tué. Mais vous auriez pu le voler. Vous auriez pu. C'est un nouveau type de preuve, ça. On n'a qu'à demander à Willy, il nous le dira lui. Objection. Puis-je vous rappeler qu'il s'agit d'un contre-interrogatoire? Vous auriez tout intérêt à garder pour vous vos hypothèses sans fondement. Oui, il n'a pas tort. En plus, ce sale homme a été aperçu dans le parc au moment du crime. Oui, et?
Ouais, mais... Mais quoi? Vous n'avez rien à dire. Cette affaire est terminée. Elle s'est terminée au moment même où ce sale môme a été vu dans le parc. Pourquoi faire durer le plaisir? Peu importe si le docteur Meraklis a reçu une balle dans la trempe, dans la tempe ou ailleurs. Bah non, quand même pas. Mais la balle a bien atteint le docteur à la tempe droite. Apparemment. Récapitulons les faits si vous le voulez bien. Je le veux bien. Si l'assassin se trouvait là quand il a tiré, la balle aurait touché la victime en plein front. Toutefois, il a été touché à la tempe droite. Or, on sait pas trop pourquoi. Comme nous l'avons appris lors du témoignage d'hier, le témoin n'était pas là. Moi, en effet, le témoin se tenait debout ici. Il n'était pas en face, juste avant le coup de feu. Il a crié. Mais non, il était de l'autre côté. La victime s'est retournée pour voir. Ah, boum. Et pan. Objection. Non, non, ça s'est passé, c'était pas ça. Mais il a été prouvé que ce témoignage n'était qu'un tissu de mensonge. Ah, merci. Notre voleur de petites culottes, Monsieur Tatillon, a bien assisté au crime, mais depuis le côté nord, près de la poubelle où il a jeté la culotte volée. Si Monsieur Tatillon avait crié de cet endroit, la balle n'aurait pas atteint la tempe droite. Quel idiot, cet avocat. Quoi? Vous vous souvenez de ce que vous avez pris au petit déjeuner le jour du crime? Tu t'en souviens, vérité? Moi, je prends un verre de lait tous les matins. Une seule chose compte, le docteur a été tué d'une balle dans la tempe droite. Oui, mais il faut bien pouvoir expliquer comment ça s'est déroulé, ma belle. Si c'est le cas, il n'y a qu'une seule explication possible, le type à la culotte s'est trompé. Objection. Objection. Mais on a déterminé clairement l'endroit où il se trouvait. Vous ne pouvez pas faire une croix dessus en affirmant qu'il s'est trompé. Objection. Objection. Alors montrez-nous, monsieur Grandfront. Vous montrez quoi? Il faut tout lui dire. Récapitulons. Bah, il y avait Mademoiselle Tiala. Si le témoin, l'homme à la culotte se tenait debout au nord. Où se trouvait le tireur? De quel endroit l'assassin a-t-il tiré sur la victime? Et sur la tempe droite. Attendez, si le témoin se tenait là, comment la victime aurait-elle pu être touchée à la tempe droite? Je n'ai fait que clarifier les faits. Notre ami au front brillant de nous montrer ce qui s'est passé. Enfin, s'il le peut. Licati se trouvait à l'endroit marqué assassin. Edgar Tatillon à celui marqué témoin, il va sans dire que Paul Meraklis se tenait à celui marqué victime. Écoutons l'explication de la défense. Aïe, on va sauvegarder parce que je sens que je vais me foirer là. Où se trouvait l'assassin au moment où il a tiré sur la victime? Sur la marque assassin, sur la marque témoin, ailleurs. Bah ailleurs, hein. Tel que les faits sont établis, il est impossible d'expliquer ce crime sans tomber sur une contradiction. Une des contradictions. Et je sais pourquoi. Le véritable assassin a tiré d'un tout autre endroit. Mais qu'est-ce que vous racontez? Je ne vois pas d'autre endroit possible. Monsieur de justice, lui en voit apparemment un. Et oui, je sais. Ça y est. Vu qu'il tourne sa tête vers la droite. Le tueur, il doit être à l'intérieur de l'Eldun's Noodle. Écoutons-le. À quel endroit du parc se trouvait l'assassin au moment où il a tiré sur la victime? Et quand elle est ressortie du Eldon's Noodle, elle est passée par derrière. Objection. C'est le moment de mettre la foule en délire et d'augmenter la mise, hein? Les pénalités sont toujours un peu angoissantes. Et si elles devenaient terrifiantes? Il va nous mettre tout. Deux, carrément. Comme celle-ci. Une double pénalité? Monsieur Grandfront veut nous entraîner vers une nouvelle hypothèse. Il doit être prêt à relever le défi. Défi relevé. Justice, ton heure de gloire est arrivée. Tu es sûr, Apollo? La clé, c'est la déclaration du témoin, Monsieur Tatillon. Si l'on considère l'endroit où il se trouvait, et qu'on part du principe que la victime s'est tournée en l'entendant crier, et oui, il s'est tourné, et que c'est à la tempe droite, on est forcément dans le cabanon. L'assassin ne pouvait se trouver qu'à un seul endroit. Au moment de tirer, l'assassin se trouvait ici. L'assassin était là-dedans, et quand il est ressorti par derrière, il a laissé ses traces de claquettes. Et c'est pour ça qu'elle a changé ses chaussures, pour pas qu'on voit que c'était ses chaussures. Mais... Prends ça. Je crois que nous devons tous une fière chandelle. À Mademoiselle Alita Tiala. Qu'est-ce que vous voulez dire? Grâce à vous, nous avons été obligés de nous pencher de nouveau sur le crime. Et cette fois, en étant mieux préparés. Nous savons qu'Edgar Tatillon disait la vérité. Nous aurions dû le croire depuis le début. Edgar Tatillon se tenait ici quand il a aperçu les deux hommes.
Il n'y avait pas de pistolet, hein, monsieur Tatillon. C'était son couteau, Willy, qu'il avait. Il a poussé un cri, comme il l'a déclaré lors de son témoignage, parce qu'il ne voyait rien, donc il a cru que c'était un pistolet, mais c'était un couteau. Et à ce moment-là, la victime s'est tournée dans sa direction. Un coup de feu est parti, la victime a été touchée à la tempe droite. Oh non. Aussi. Vers où était tournée la tempe droite de la victime au moment du coup de feu? Vers le stand de nouilles. Silence, silence, ou je fais évacuer la salle. Vous voulez dire que l'assassin se trouvait à l'intérieur du stand de nouilles? Sur cette image, nous allons nous arrêter là pour cet épisode et on se retrouve dans le prochain pour la suite de cette affaire. Ciao, ciao tout le monde.